On démarre ce mercredi 12 novembre 2019 avec la une du quotidien de service public Le Soleil, le Premier ministre, plutôt le secrétaire général, hein, il faut l'appeler comme ça, de la présidence maintenant, Mohamed Boun Abdelhadjian, est à la une. Il était au forum Bloomberg. L'intranet gouvernemental, dit-il, sera davantage sécurisé. Le Sénégal veut capter les dividendes de la révolution numérique. À la une également, la rédaction des plaintes dans l'univers des écrivains publics. On va replonger dans cet univers dans un instant avec Khadija en reparlant de la journée internationale de l'écrivain africain. À la une également, cet hommage du quotidien Le Soleil au journaliste Saliou Fatmalo, décédé. Le quotidien Le Soleil perd un ancien baroudeur. La zone franc avec un éventuel rapatriement des réserves de change. Quelle implication justement sur les accords monétaires avec la France? Analyse à lire à la page 9 du Soleil. Et puis la parole est donnée également ce matin à Stéphane Roquen. C'est l'ambassadeur d'Allemagne à Dakar, là où le Sénégal peut compter sur l'Allemagne. Eh bien, il énumère tous ces points à la page 3 du quotidien de service public. On poursuit avec la une du quotidien, le quotidien de ce mardi 12 novembre 2019. Mariam Sodandia est à la une. Elle est la suppléante de Aissata Tall Sall, de député à député. Eh bien, retour donc sur le parcours de cette jeune députée dans les colonnes du quotidien de ce matin. Vox Populi avec un tout autre sujet. Il s'agit de la santé de Hissen Habré qui inquiète autant pour moi. Emprisonné depuis plus de 6 ans au camp pénal, son état désormais incompatible avec la détention selon ses médecins. Nous poursuivons avec la une du quotidien du groupe Futur Média. Il s'agit évidemment de l'Observateur. D'abord sur l'avenir politique de l'envoyé spécial du chef de l'État, Aissata Tall Sall, une opposante au pouvoir, l'ambition piégée. C'est un dossier à lire à la page 5 de l'Obs. Et puis sur les recours au marché financiers régionaux et internationaux. Ce matin, quelques révélations sur ce que cachent les emprunts obligataires répétés de l'État du Sénégal. Le quotidien Les Échos, c'est également un quotidien d'information générale, sur le refus de Souleymane Denendiaï de répondre à la convocation du doyen des juges, où il ne sait pas, où il fait exprès, dit-il, dans les convocations. Il est mentionné pour affaires vous concernant. Il confond avec citation à comparaître ou l'assignation à prévenu, l'assignation à témoin. Le doyen des juges et maître Denendiaï sont des camarades de promo au barreau de 1994 avec maître Oumar Youm et Samba Bitey. Passons à la une du quotidien. L'As maintenant, une embellie dans la grisaille sur la publication de la convention collectif des journalistes au JO. Et puis nous passons à la une de Dakar Times maintenant. Et à la une, les fausses déclarations de patrimoine, la malgouvernance. Ils ne déclarent que des broutilles pour cacher leur patrimoine réel. Et pourtant, certains ministres et directeurs généraux possèdent des villas ou appartements à l'étranger. Mais malheureusement, eh bien, vous voyez à la une de Dakar Times, c'est la directrice générale de l'OFNAC. L'OFNAC n'a pas les moyens de vérifier pour identifier tous ces biens cachés à l'extérieur et qui ne figure pas sur les déclarations. L'office que dirige Mme Sena Boundia Yakhate, dont la photo est à la une, je vous le disais, se contente uniquement de ce qui a été déclaré et qui est souvent faux. 24 heures, info. Sur la quantification du terrorisme islamique de 1979 à 2019 par Fondapôle, l'industrie de la mort avec ses chiffres, 33 796 attentats terroristes ont été commis dans 81 pays pour 167 096 morts. 89,4% des actes terroristes islamiques sont revendiqués par des organisations terroristes sunnites. Et puis 25 pays africains sont également touchés, le Nigeria, premier de la classe. Les quotidiens sportifs avec d'abord la une de Stade. Sadio Mané, Maignan, Edouard Mendy et Lou Ndiaye absents. Alors, comment le coach va réaménager tout ça? En tout cas, le 11 de départ contre le Congo. Trois patates chaudes donc pour Aliou Cissé, Gomis ou Mendy dans les cages, Maignan ou Famara en pointe. Et la
titularisation, autant pour moi ou non, d'Ismaël Assar. Le match est prévu demain et ce sera en direct sur les antennes de la RTS. Le premier galop d'entraînement a eu lieu à Thiès avec 19 lions présents. Sadio Mané est également à la une de Record ce matin. Regardez, sa photo apparaît dans un petit moment. Voilà, ça y est, on y est, regroupement des lions. Sadio débarque ce mardi, entraînement à huis clos aujourd'hui à Thiès. Moussa Ndiaye et Nabi Sarr, les bleus dans le bain, les bleus dans la tanière tout simplement. Allez, on termine ce matin avec Sunnyland, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, avec les espoirs montants et les cachets malheureusement en baisse. Bombardier est prêt à tout pour un combat, pour revenir après avoir perdu sa couronne. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Alune, tu m'aides à procéder à cela ? Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Gorgindo qui est avec nous. Entre-temps, René nous a rejoint en plateau. Bienvenue, mon cher René. Ça va ? Au taquet ce matin ? Oui, ça va. On peut le dire. Très bien. On est au taquet comme jamais. On poursuit le bloc d'infos avec toi, 6h47. Voici le flash. T'es en image.